Yo tout le monde, c'est X-Ray21. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un gameplay de mon ami WizOsmos, OB23R en mêlée générale sur la map Standoff sur Black Ops 2. Donc il m'a proposé de prendre ce gameplay, donc je m'en sers juste parce que la vidéo est assez courte et je dois vous faire une annonce qui est aussi courte. Donc cette annonce, c'est un projet sur ma chaîne YouTube. Donc je pensais vous faire soit un gameplay de Call of Duty ou un autre jeu, ou une découverte, ou je sais pas moi, une partie d'XP sur le jeu Dofus. Donc on verra tout ça, c'est comme vous préférez. Donc je pense faire une fois un gameplay, une fois une vidéo sur Dofus, etc. etc. Et la seconde chose, c'est tous les dimanches ou tous les samedis, on verra, tout dépend comme vous préférez, je vous ferai un tutoriel de trickshot. Étant donné que je joue plus beaucoup à la play, je ferai ça pour vous. Je suis passé par la communauté du trickshot, on va dire, et je tiens à aider les gens qui commencent ou qui cherchent à savoir faire des trickshots assez compliqué à réaliser, comme par exemple Glide MW2 sur Black Ops 1, que je galère moi-même à faire, mais je pense que avec l'aide d'un ami, ça devrait mieux le faire, car lui il le gère vraiment bien. Donc voilà. Alors tous les mercredis, il y aura une vidéo sur Dofus ou un gameplay. Ce sera une fois un gameplay, une fois une vidéo sur Dofus. Donc on verra ce qu'on fera sur Dofus par contre, parce que les activités sont pas pareilles que sur Call of Duty. Sur Call of Duty, les gameplays, bon, c'est, on peut changer de mode facilement, faire des défis et tout ça, mais sur Dofus, c'est juste les donjons et les personnages changent pas vraiment, on va dire, parce que moi personnellement, je n'ai pas que ça à faire de créer plein de personnages différents. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour ce qui est des gameplays, peut-être que je ferai des gameplays avec ma team ou avec des amis ou d'autres youtubeurs, donc comme Laser11 par exemple, donc que je cite car c'est un youtubeur qui m'a donné envie de commencer sur YouTube et qui m'a expliqué ce qu'il fallait pour prendre en vidéo et tout ça. Enfin, il m'a beaucoup aidé et je tiens à le remercier. Donc voilà, c'est tout pour cette annonce. Je pense que on va commencer tout ça à partir de ce week-end. Je vais vous préparer un bon tutoriel là. Tutoriel assez spécial. Donc pour ceux qui connaissent, ce sera le Johnny F. Donc je pense savoir ce que c'est. Et ce sera une vidéo accordée au tutoriel du overshoulder. Donc vous verrez pourquoi. Je vous en dis pas plus. Et je vous souhaite une bonne journée, et puis à la prochaine, à dimanche. Bye! Approche.